Salut à tous, c'est Sherika, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spyro. Et on est arrivé à... dans le monde, dans le troisième niveau, le village des terrassés. Donc je sais plus si c'est le monde 3 ou le monde 4, je suis totalement perdu. Je crois que c'est le monde 4, mais je suis vraiment plus sûr. Donc on se retrouve village des terrassés. En même temps, si tu préfères, toutes les vidéos, je les ai tournées en une seule fois. Donc, what? Putain, t'es bien rapide, toi. Non. Alors là, faut vraiment être en mode rapide. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? T'es sérieux toi? Alors là, vas-y, fais-toi plaisir, prends de la poupoule. Alors là, le temps que je suis en train de te tourner ça, je sais, j'ai l'intention de faire arc survival, mais je sais pas si je l'ai commencé, je sais pas si je l'aurais commencé quand toi tu vas regarder cette vidéo, ou si je suis en train de le rec et que je l'ai pas encore posté sur, sur YouTube. Donc on verra bien. Hein. Mais franchement, ouais, j'espère que l'aventure Arc va te faire plaisir parce que c'est vraiment enfin je suis vraiment en train de te refaire du gaming mais à mort. Donc on va aller rechercher le camping, tu vois, on a oublié ça. Et faut ramasser quoi? Que de dragons? Ok. Ça va là, il n'y a plus trop d'œufs à ramasser. Enfin, je dis ça, et puis à la fin, dernier niveau, je vais en avoir 50. Enfin, je sais pas. Je sais plus. 400. Que 400? Ça me paraît bizarre. Enfin, je veux pas m'en prendre. C'est déjà très bien. Allez, encore. Non, j'évite d'avancer trop vite pour pas me faire prendre de... plein de trucs dans la gueule. Donc là, on a déjà passé tout à l'heure. Donc là, faut grimper. Le poulet pour la libellule. On a sauvé Claudio Capéo. Claude, pardon. Les gnorques des environs ont découvert le pouvoir de l'électricité et ça pique fort. Alors là, ça, à mon avis, ça va être une descente. Je viens de me faire poutrer comme un aube. Comme de genre comme un aube. Oh, j'ai vu, j'ai vu. J'ai rien vu du tout. Ah bah c'était ça qu'il fallait faire.
en a un deuxième alors. Ouais, d'en avoir un deuxième, mais je l'ai pas encore trouvé. Ah bah il est là-haut. Est-ce que ça marche si on fait ça, non? Alors là, je vais me faire défoncer. C'est nul, c'est moche. J'aime pas me faire défoncer la gueule, mais c'est comme ça. Ça arrive. Tu verras quand tu seras plus grand. Tu te feras défoncer la gueule. Voilà. Alors là, c'était pas facile que je leur donne. C'est vraiment des points très très faciles que je leur donne. Parce que là j'ai juste à voler et je les ai. Ça c'est fait. Bon, mais là il est vraiment loin lui. Hein. Ouais, je grave comment là-dessus moi. Et si je suis là, ça me touche ou pas? Putain, j'ai une de ces chattes. J'ai vraiment une de ces chattes, mais pas possible. Allez, viens ici, toi. Hop, la petite vie qui fait plaisir. Bon travail, Spyro. Un jour, tu pourras raconter tes extraordinaires aventures à tous les dragons. Ouais, mais là, j'ai surtout envie de quitter ce marais. Ah, tu m'étonnes. Moi aussi, j'aime pas trop ce niveau. Il est bien le niveau, mais j'aime pas trop. Enfin, il est bien, mais j'aime pas trop. Je suis pas du tout dans l'esprit contradictoire. Ah, là par contre, ça me touche. Là, si je descends là, je peux remonter. Je sais pas. On essaye, on verra bien. Tant pis. Allez voir ce qu'il y avait en bas. Maintenant on sait qu'il faut grimper et on sait qu'on va prendre cher. Donc là faudrait que j'arrive en courant là. Maintenant, je saute. J'y étais presque. Était presque là, je sais pas là. Ouais, il va falloir que je grimpe là-bas. Donc c'est par là-bas. Ah, les deux ils ont pris cher d'un coup là. Ah là, j'ai fait les deux, j'ai fait la famille en même temps.
pas sûr de moi et franchement au niveau commentary ça doit se ressentir. Je suis vraiment pas à l'aise dans ce niveau. Y a des trucs que je comprends pas. Parce que là, tu peux aller en haut. Mais on passe par où? Faudrait que j'arrive par au-dessus. Bah bah voilà, je vais chercher et c'est fait. On va pas descendre tout de suite, hein. On va déjà faire tout ce qu'il y a à l'étage. Parce qu'après si on peut plus redescendre, ça ferait bien chier. Et en plus il y en a aussi en face. En face c'est pareil, c'est un truc où il faut faire péter. Ah bah tout à l'heure c'est quand je suis mort ça. PD. Tu me fais chier, y'en a marre, y'en a marre de toi, espèce de noob de merde. Donc là, c'est bon, là maintenant. Oh putain, j'ai eu chaud. Là on a tout. Putain, il manque 11 diamants. Oh bon, on s'en bat les couilles des 11. Hein. Ah bah j'ai pas été ramassé sur... Ah si, j'étais ramassé sur le sol. Ah merde, c'est où? Enfin bref, c'est pas grave. Le niveau est fini, c'est déjà bien. Le principal, c'est que tous les dragons ont été ramassés. Lui a été fait. Là-bas, ça a été fait. Là-bas, ça a été fait. Donc, il me reste deux à faire. On va les trouver tous ensemble. Et puis après, on verra bien. On verra bien. Et là, normalement, il me reste quand même 49 diamants à trouver. Bon, bon. On va aller voir. Alors tu prends pas les papillons toi? Je me casse la tête à tuer des poules et tu bouffes même pas les papillons. Eh ça je l'avais pas vu ça.
C'est juste pour ça. C'est quoi ça? Ah, ça c'est le dernier niveau. Donc j'ai fait le vol, j'ai fait les deux autres. Donc il me reste celui-là à faire avant. Et après, c'est le combat du boss. Donc on se retrouve dans la cime des arbres pour la prochaine vidéo. Donc merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. N'hésite pas à laisser un petit like, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt, c'était Chérika.